Trop tard, je t'ai vu, Mister X. Parlez-moi de l'incident de la cale sèche. Les agents de l'État vous ont transporté de l'université au théâtre de l'opération Zone Zéro sur le chantier naval. Vous m'en voulez toujours, hein? Vous étiez enfermé et inconscient. Oui. Je veux des flingues. Quand Liam Burke est allé vous chercher, vous aviez disparu. Comment? Je suis somnambule. Recule! Allez! Lâche ton flingue. Je peux pas faire ça. Okay. Nous savons que Bess Wilder vous a prêté main forte. Alors vous devez connaître la suite. Non, parce que tous ceux qui ont vu ce que vous avez fait après sont morts. J'ignorais où j'étais, ce que je faisais là. Si je me suis pas posé de questions, c'est parce que ça me paraissait pas réel. Je pensais que j'allais finir par me réveiller. Utilisez la vision temporelle pour... En collectant les sources de Chronos, Jack peut améliorer ses pouvoirs. Appuyez sur T pour afficher le menu d'amélioration. Ils sont de... Ouais... Les couilles... Ça... Augmente la durée de concentration temporelle. Comprendre la résistance de l'arrêt temporel, lui permettant d'observer plus de balles avant de s'effondrer. Chaque récupère plus vite d'une attaque dans le rayon d'action du bouclier temporel. Merde, est-ce qu'il y a des journaux et amélioration. Concentration maximale! Encore plus longtemps et ça coûte 4 points. Ça permet à Jack d'enchaîner 3 esquives temporelles. La vieille zone industrielle. Qu'est-ce que je fais là? J'ai pas trop le choix. On a rien vu. C'est un bug temporel, j'imagine. Ok. Seems legit. Objet destructible. Bizarre. Morse temporelle. Certaines avances temporelles permettent à Jack de manipuler la chronologie d'objets spécifiques. Incrédible! Ok, ça dure pas. Je note. Quand la fracture a déchiré le temps, certains objets sont devenus instables. Grâce à mes nouveaux pouvoirs, je pouvais manipuler leur chronologie, les rembobiner. Il doit y avoir un autre moyen de rentrer. Moi, je suis revenu au petit bloc de merde. Quitte. Ouais.
Burke sur la position de Jack Joyce. Très bien. Apprêtez-moi un hélico à la cale sèche. Je vais me rendre sur l'île. Compris. L'hélico vous attendra. En voyant le visage de Paul sur cet écran, tout m'est revenu. Je pouvais pas ignorer ce qui s'était passé. Ce qu'il avait fait. Je devais comprendre pourquoi. Mais une partie de moi avait envie de lui coller une balle dans la tête avant qu'il ait pu ouvrir la bouche. Vous voulez qu'on envoie des équipes supplémentaires pour trouver Joyce ? Monarch avait acheté toute la zone industrielle pour les besoins de l'opération. Ça a pas vraiment facilité ma fuite. Apparemment, une petite conne du nom d'Amy va être l'égérie de la campagne de communication de Sérène. Il filme sa confession. On a fait sauter la bibliothèque pour brouiller les pistes. Les médias vont se ruer là-dessus. Là, direct, c'est lui. Ça pète relativement bien. Mais... Ah merde, on en a que deux, c'est vrai. Ça, c'est pour Will. Effectivement, certains objets deviennent... assez instable. La partie où on ne peut pas sauter et le faire. Et voilà. Qu'est-ce que c'est que ça ? Un GSM. Plus petit. Eh oh ! Jack, c'est Bess Wilder. Bess ? Je suis... C'est vous que mon frère cherchait ? C'est moi qui essayais de vous sauver la peau jusqu'à ce que vous vous mettiez à tirer sur tout ce qui bouge dans cet entrepôt. Bon, écoutez-moi bien. Vous êtes sur le site d'une opération de collecte de chronons de Monarch, et Paul Sérène est dans les cales sèches à côté. C'est pas franchement idéal comme situation, alors pourquoi les ne pas... Les cales sèches. Si Paul est aux cales sèches, alors c'est là que je vais. Non. Jack, la fracture est notre priorité pour l'instant. Le temps va s'arrêter. Will a dit qu'il... Will est mort. Mon meilleur ami s'est transformé en putain de monstre. Il savait que tout ça arriverait. Il s'y est préparé. Paul est le seul à avoir toutes les réponses. Et j'ai bien l'intention de le trouver. On sait tous les deux que si vous trouvez Sérène, vous n'allez pas lui poser de questions. Réfléchissez bien. Paul était au cale sèche, plus loin. Je reconnaissais l'endroit. William avait eu un atelier dans cette zone industrielle pendant des années. Je savais qu'il pouvait pas s'agir d'une coïncidence. J'ai fait ce que vous vouliez, ok ? Je vous en prie. Pitié, laissez-moi partir. C'était super, Amy. La vidéo vient juste d'être diffusée, mais Hatch veut une confession maintenant. T'as le script ? Ouais, celui-là est plus explicite. Genre, on regrette tellement d'avoir fait ça. Tu vois ? Dave va te donner les répliques. Dave ? Vous utilisez vos noms. Vous me laisserez pas partir, hein ? Ne facilite pas la tâche. Arrêtez !
Alléluia. Des trucs. Jack Joyce. Quoi, vous me connaissez? Mais qu'est-ce qui se passe? Je suis désolée. Je voulais pas, mais ils m'ont obligé à le faire. Obligé à faire quoi? On est où, là? Ils m'ont obligé à enregistrer une fausse confession. Pour le journal télé, je crois. Je suis désolée, Jack. Ils étaient armés. Hé, hey, quoi que vous ayez fait, c'était pas votre faute. Rien de tout ça n'est votre faute. Je suis content que vous n'ayez rien. Un computer. Useless. Écoutez, je dois me rendre au Calsèche. Vous savez où c'est? Non, je crois pas. Mais ils m'ont fait passer par un poste de sécurité pas loin. Je peux vous aider à le rejoindre? Je peux bien faire ça. Un sniper qui lui fait sauter la tête. Le poste de sécurité est juste là. Je savais que Monarch cachait son jeu, mais ça... Non, là, ils vont faire une... Enfin, ils voulaient faire une deuxième vidéo. Ils peuvent pas étouffer cette affaire. C'est trop gros. Oh que si. Faites-moi confiance. Merde. Bon, il doit y avoir une commande pour la porte pas loin. Ouais, je vais aller voir. Monarch a réécrit l'histoire pour les médias. Ils prétendent que la manifestation a dégénéré et qu'on a fait sauter la bibliothèque. Il vous écoute, Jack. Je suis le bouc émissaire de Paul. On est mal. Quand cette vidéo passera à l'antenne, vous aurez toute la ville sur le dos. Ah, même pas. Personne ne saura ce qui s'est réellement passé. Vous pensez que les autres à l'université sont sains et saufs? J'en ai aucune idée. Tous morts. Ils m'ont dit qu'ils les avaient renvoyés chez eux, mais... Je sais... Hé! Ça a marché! Ça tient pas longtemps. Je pense pas que vous soyez assez rapide. Ça peut s'arranger. Nul shit. Non, ta gueule. Jack, vous avez trouvé un moyen de passer de ce côté. Je bouge pas d'ici tant que vous êtes pas de ce côté de la porte. Ça va être génial, ça.
l'air d'y avoir des chefs. Pas qu'on peut arriver au-dessus. Oh mon dieu! Vous êtes. Oh dieu! Vous êtes un monstre! Comme qui? Je les ai vus en arrivant. Ces soldats en combinaison qui apparaissent et disparaissent. Ok. J'ai encore des trucs à découvrir, on dirait. J'ai cru que je devenais folle quand j'ai vu ça. Vous jouez un rôle dans tout ça. J'ai besoin de comprendre ce qui se passe. Vous tenez vraiment à rouvrir ce sac de nœuds ? Écoutez, mon frère a essayé de m'expliquer. Le temps est un œuf. Il est cassé. Un œuf temporel qui est endommagé. Oui, cassé. Enfin, je crois. Quoi ? C'est quoi le rapport avec l'œuf ? Le temps s'effondre. Monarque a quelque chose à voir là-dedans. Amenez-moi au Calsèche et je découvrirai quoi. On l'élimine tout de suite. Celle plus par là. Vous pouvez peut-être passer par cette fenêtre ouverte au deuxième. Oh putain. Ouais, ça peut marcher. Restez ici. À capter. Il avait l'air d'avoir. Ça, c'est fait. S'il a créé Monarque en 1999, alors à l'époque il avait quoi, 14 ans? C'est bon. Donc, à moins que ce soit le nouveau projet. Je dois atteindre cette porte maintenant. Enfin. Beau travail. Je veux arranger tout ça. Je vais me servir du terminal qui se trouve ici pour essayer de découvrir ce que Monarque mijote réellement. L'hélicoptère de Monsieur Seren se dirige vers Clarisse. Certains membres de notre groupe sont allés trop loin. La situation a dégénéré. Je suis désolée, Jack. Ils m'ont obligé. Je sais. De Jack Joyce. Vous n'aviez pas le choix. Vous avez dû vivre une expérience traumatisante. Ce plan là-bas devrait vous aider à trouver votre chemin. En acceptant de témoigner contre un individu manifestement très dangereux. Vous devriez regarder la carte, Jack. La zone zéro. C'est là que se trouvait l'atelier de mon frère. Je vais peut-être devoir la traverser pour arriver jusqu'à Paul. Paul ? Paul Seren ? Alors c'est pour ça que vous allez au Calsèche ? On a des affaires à régler. Vous feriez mieux de rester là jusqu'à ce que j'ai fini. Ouais. Vous avez sûrement raison. Je vais vous ouvrir la porte. Ça marche. Restez en contact. Trouvez une radio, je serai sur le canal 3. Et soyez prudente. Oui, vous aussi. On peut pas remonter apparemment. De toute façon. Bon, on sait toujours pas combat. Joyce. Ouais, il paraît que son frère a poussé des cris de pucelle avant de mourir. Je lui réserve le même sort quand on l'aura trouvé. Putain!
On nous attaque! Alors, c'est qui la pucelle? J'avais aucun contrôle sur mes pouvoirs. Ils ne cessaient de grandir de façon anarchique. Jack, j'ai trouvé une radio. Tout va bien? J'ai toujours en vie. Putain, mais c'est ragdoll, quoi. Les communications de mon arc s'animent. Ils ont entendu du bruit. Les poupées de chiffon, les mecs. Merci pour le tuyau. On peut se déplacer. Chargeant. Ah ok, ça prend un certain temps à revenir. Ouais. Ah, oh, super. J'avance vers l'ennemi avec le fusil à pompe. Enfoiré. Tu veux qu'on en parle? Salut Raven. Y'en a plus. Ah merde, j'ai plus de... Ça va toujours là-bas? Ouais. Vous savez où je dois aller maintenant? Avant de vous dire bonjour, les squads Gatehouse parlaient d'activer des mesures de sécurité pour verrouiller une porte au deuxième étage. C'est un début. Merci. Activer ces conneries là. Hey Jack, la dame à la voix rauque de la radio n'arrive pas à joindre les squads Gatehouse, on dirait. Ne vous enflammez pas trop vite. Vous vous souvenez des soldats en armes? Ouais. Apparemment, ils ont l'intention de vous dire bonjour aussi, mais ils sont remontés. Alors faites attention. Ils surveillent une sorte d'opération de collecte de particules chronon. Je sais pas trop ce que c'est, mais je vais m'en renseigner. Je vous tiens au courant. Ah
Hop. Hey, je viens de désactiver la sécurité. Ah. Jack, il se dirige vers vous. Merde. Comment est-ce que je vais avoir accès à ce point de Braid? Pas l'air de vouloir. Ah, ça cancel mon... Ok. Oh non. Team kill. Easy peasy. Pas que je puisse retourner là. Pas de point d'upgradage du coup. Non, qu'est-ce que c'est? Je sais pas trop. Les niveaux de chronon vont diminuer jusqu'à un point qui rendra la zone zéro obsolète d'ici peu. Je prépare la présentation pour être sûr que tout le monde retienne l'essentiel avant que nous poursuivions. Le voilà! Bonjour, je suis le docteur Sophia. Au cours des 6 dernières années, comment je vais m'en sortir? Des particules de Mother Joyce, plus connues sous le nom de particules chronon. Le 4 juillet 2010, des anomalies temporelles uniques sont apparues en un point bien précis du secteur que nous appelons désormais Zone 0. Arrête de bouger, bordel de merde! Dernière cartouche! Alliés à terre! Ce qui a conduit à l'opération de collecte de chronos à laquelle vous assistez. Une technologie de notamment le régulateur de champ de chronon, ou RCC, le seul dispositif capable d'assurer la stabilisation et la régulation des quantités massives de ces particules. Au moment venu, la totalité des conteneurs de chronon qui se trouvent ici sera transférée dans le ciel pour garder le RCC. Seul le personnel qualifié est autorisé à entrer en contact direct avec. Il change d'arme tout seul. Plus on se rapproche de la zone zéro, plus les anomalies temporelles uniques sont fréquentes. Et ce, notamment à l'intérieur de la zone jaune. Cette zone jaune est une des poches de chronon très dense, prête à être collectée. Il est strictement interdit de pénétrer dans le périmètre de la zone zéro, et ce, en tout temps. Dans cette zone, connue sous le nom de zone rouge, le temps a cessé de s'écouler de façon continue, et sa progression est chaotique. La plupart des gens qui sont entrés dans la zone zéro n'en sont jamais revenus. Nous savons que la fracture aura lieu le 8 octobre 2016. Ah, ça fait vraiment une bulle. Nice.
Faut que je trouve un moyen de sortir d'ici. Ennemi très amélioré. Ok. Pas de sortie accessible ici. Je devrais aller voir en haut. Je suis sûr que je peux aller là-haut. Right. That's better. Processus de collecte des chronons interrompu. Quantité de particules chronon insuffisante. Déplacez le collecteur vers l'anomalie indiquée en zone jaune. Pas de sortie accessible ici. Je devrais aller voir en haut. Sympa comme ascenseur. Jack, j'ai trouvé des documents sur une sorte de gala privée organisée par Monarch ce soir. Ce soir? Après tout ce qui s'est passé? Ça a un rapport avec leur futur plan. Seren va faire un discours et tout le gratin est convié. Les gros pontes de Monarch, les plus grands scientifiques et même le maire de Riverport. Ce qui m'amène à poser la question, pourquoi maintenant? Je sais pas, mais je compte bien le découvrir. Entendu, mais vraiment. Ok. Je me rapproche, je crois. Bon, c'est par où la cale sèche? Ok. Je suis sûr d'en avoir entendu un autre. Bonjour. On dirait que le courant est revenu dans le préfabriqué. J'ai toujours la mallette qu'on a volée dans la caisse de William Joyce. Les hommes de Paul avaient récupéré la mallette de Will dans sa voiture et vidé son contenu sur la table. Ah ouais, c'est l'autre connerie que j'ai pas pu attendre.
C'est pas du clipping, ça. C'est juste un problème de chargement. Will avait dit avoir besoin de quelque chose dans sa mallette pour empêcher clipping la fracture. Clipping, c'est passé à travers. Elle contenait pas grand-chose, à part son téléphone et la clé de la piscine Bradbury. Pas très parlant, comme indice. Jack, c'est Beth. Monarch vient de filmer votre ami le en chargement, train de fouiner dans des fichiers ultra confidentiels de la compagnie. Le bâtiment était pas chargé. C'est vraiment une très mauvaise idée. Je vais pas passer la zone où il est censé charger, du coup. Bon, je dois aller la chercher. Non, je m'en occupe. Où êtes-vous? Je suis en chemin pour retrouver Paul au Calsèche. Sirène n'est pas la priorité. Je vais vous sortir de là. Je vous retrouve au Calsèche. Monarch communique sur le canal 1. Utilisez-le pour anticiper leurs actions. Et Jack, ne faites rien de stupide. Je fais ce que je veux. C'est fermé. Il doit y avoir un autre moyen de passer. Oh, c'est passé près. QG, on vient d'entendre une explosion près du périmètre de collecte. Ouais, on se demande bien qui ça pouvait être. Charlie, libère le canal. Équipe Striker, oh, mettez-vous en position défensive autour de la zone 0. Bien reçu. J'ai reconnu l'atelier de Will dès que j'ai vu le vieux panneau au-dessus. C'est l'endroit que nous appelons Zone Zéro. Il était clair que l'atelier était au centre de l'opération de Monarch. Je voulais découvrir ce qu'il renfermait. Et de toute façon, ça semblait être le seul moyen d'atteindre les cales sèches de Paul Sérène. Zéro damage par contre. C'était moins une. Renfort à l'approche de la zone verte, on attaque la cible. Oui, on tire des petites billes de plomb en fait. Du gros sel. J'ai reconnu la. Nous avons inventé un fusil d'assaut. Gros sel. Là, c'est gerbe de sang. C'est clair que l'atelier était au centre de l'opération de Monarch. Ah, salut, on s'est pas vu sur. C'est fini. Renfort à l'approche de la zone verte, on attaque la cible. Encore un de ces jeux où quand tu ramasses un fusil à pompe, il te faut 15 minutes pour tuer un mec, pour tirer. Mais les ennemis, ils tirent 50 balles à la seconde. Mais le
Vite, les gars. Oh, t'es mort. En plus, les balles sont passées à travers. Conçu un équipement permettant à ses hommes de se déplacer lors des interruptions. Il savait que la fracture aurait lieu. Il s'y était préparé, mais il n'a jamais essayé de l'empêcher. Ah, c'est ultra chelou la façon dont elle tire cette merde. Will ne vous a jamais dit ce qu'il faisait dans cet atelier, dans la zone zéro? Non, jamais. Ah, il y a Ragdoll! Cacher cette partie-là de sa vie. Rien ne m'avait préparé aux aberrations qui m'attendaient à l'intérieur. Et ça, c'était qu'un début comparé au drame dont cet endroit devait être le théâtre plus tard. Oh. Oh, il a triché. Oh. Bien peut-être à toute Mister X. J'ai pas trop le choix, c'est pas normal. Accès interdit. Je suis sûr que c'est plus un conseil qu'un ordre. J'ai expressément demandé du niobium titane revêtu de cuivre. Will. On peut pas se faire couper en deux par une table. C'était absolument incroyable. Will avait disparu. Mais... il était tout autour de moi. Cette vie secrète, dont il parlait jamais. Tout ce dont il avait voulu me protéger. Tout ça m'entourait, comme un puzzle, figé dans le temps. On pensait tous qu'il gâchait sa bourse de recherche, et sa carrière, en
en faisant une fixation sur une expérience ratée. C'est ce qui nous faisait croire. Mais ce qu'il a construit, ça a toujours marché. Ça marche ! Ça marche ! Besoin que vous prolongiez ma bourse l'an prochain. Je vous en prie, ne faites pas ça. Contre-mesure. Pourvu que ça marche. Will. Plus rien. Venez avec moi. On peut survivre à ça. Paul, vous êtes la seule personne à avoir vu ce que j'ai vu. Ne fais pas ça, non! Donnez-moi la machine. Et si vous vous trompiez? Je savais que quelque chose de terrible s'était produit. Mais tout était mélangé. La solution m'échappait. Non! J'étais sous le choc. Toutes les questions que je me posais figuraient dans ce que j'avais vu dans cet atelier. Tout ce qui s'était passé à l'université faisait partie de quelque chose de beaucoup plus vaste. Quelque chose qui avait commencé 17 ans auparavant. Ok, la cale sèche. Allez à la cale sèche. J'y suis presque. Je dois trouver Paul. Ah, c'est tout. Qui a tiré ? Quelque chose n'allait pas chez Paul. Le syndrome des chronons. Il avait ses pouvoirs depuis bien plus longtemps que moi. Mais qu'est-ce qui avait provoqué ça ? Étais-je malade, moi aussi ? Ou était-ce dû à son voyage dans le temps ? Je l'ignorais. Mais ça n'excusait rien de ce qu'il avait fait jusque-là.
Très bien. Ouais. Jack, il faut que tu comprennes que Will ne m'a pas laissé le choix. Mais qu'est-ce qui t'est arrivé ? C'est inutile de se battre. Tu l'as tué ! Je t'expliquerai tout le moment venu. Retrouve-moi ce soir au gala. Le gala ? Le temps va s'arrêter et t'organises une fête ? Le temps va peut-être s'arrêter, mais... On va régler ça maintenant. J'ai pas l'intention d'aller si, à ta... tu vas y aller. Je l'ai déjà vu se produire. Vu quoi ? Pourquoi tu fais ça ? Au revoir, Jack. Non ! Ça, c'est fait. Ce qui arrive quand on prend des flingues avec 3 balles dedans, là. Arrêtez de tirer, j'ai envie de me la péter. Les interruptions s'aggravaient, alternant sauts dans le passé et dans le futur. À ce moment-là, j'imaginais pas que ça puisse encore empirer. Mais nous savons tous les deux que ça a été le cas. Ça, ça doit faire mal.
Oh putain. Ok, continue. Bess était en route pour me rejoindre. J'imaginais qu'elle était figée quelque part là-haut, sur le côté de la cale sèche. Ne faites rien de stupide. Je suis pas trop attentif. C'est pas moi. Il y a un début à tout. Montez. Et si je refuse? Tuez-moi alors. Désolé, mais je vais prendre le van. Ça, c'est pour m'avoir ignoré. Aïe. Vous voulez empêcher la fin du temps? Vous avez besoin de moi. Et merci au fait pour l'incruste à l'arrière. J'ai l'impression d'être une babysitter. Babysitter? C'est une blague? J'ai extrait de super infos de cet ordi. Connasse. C'est ma caisse, c'est ma musique. C'est comme ça. Ah, j'ai désactivé les musiques de copyright. Ah, sous copyright. Vous êtes qui, vous? Du coup, elle ne lisait pas. C'est plus mal. J'aurais bien dormi 2-3 heures de plus. Je crois que le stream il va pas s'éterniser. Qu'est-ce qui vous a conduit à la piscine? Will a dit que sa mallette contenait un truc important. J'ai juste trouvé une clé avec marqué de quoi dans Mafia 3 dessus. C'est notre seule piste. Je ah ouais, ouais, il y en a blindé, ouais. Ce bâtiment est abandonné depuis des années. C'est l'endroit rêvé pour cacher un objet secret. Il y a énormément de passages dans Mafia 3 où... Enfin, tout le temps à la radio, en fait, t'as des musiques sous copyright. Du coup, Twitch, lui, supprime la musique. Votre frère a conçu le seul outil en YouTube, il n'y a pas de problème, mais il fait quand même des copyright. Enfin, il dit qu'il y a des musiques sous copyright. Mais ensuite, malheureusement, le son est directement supprimé. Leur pantalon va bien. Ouais, et la paye doit vous aller aussi. J'ai créé une couverture pour collecter des infos. Vous êtes au courant depuis quelques heures. Moi, je m'y suis préparé toute ma vie. Vous ignoriez que ça appartenait à William? J'ignorais beaucoup de choses sur Will. On doit trouver la contre-mesure de votre frère, et vite. Plus la fracture va s'aggraver, et pire ce sera. Sans compter que Monarch va sillonner toute la ville à votre recherche.
Par contre, Twitch a fait un nouveau système de gestionnaire de vidéos assez chiant. Parce que je me fiais toujours en fait à la durée du... Jack, vous venez ou quoi ? Le replay pour savoir quelle partie c'était. Sauf que maintenant, le seul moyen de regarder la durée d'une vidéo, c'est d'aller directement dessus. Salut Walks et Drac et Dark. Walks et Dark. Corrige. Donc merci pour le follow. J'ai de régler un truc. Franchement, le nouveau système, c'est... Voilà. La clé de Will, elle ouvre peut-être cette porte. La clé rentre pas. Ok. Je vais trouver un autre moyen d'entrer. Dépêchez-vous. Je vais monter la garde au cas où on est de la compagnie. Nous non. C'est bizarre. Je jurerais que c'est le même taxi que celui qui m'a déposé à l'université. C'est un taxi. Ils se ressemblent tous, non? Je vais lancer une recherche sur la plaque d'immatriculation avec mon téléphone pour voir, mais ça m'étonnerait qu'on trouve quelque chose. De la recherche sur la plaque d'immatriculation du taxi garé là-bas. Il appartient à Nick Masters. Hé hey, je crois que j'ai trouvé Nick un accès. Masters ? C'est le nom d'un des témoins qu'on a raflé à l'université. Quand tu dis Fallout, c'est Fallout 4 ou Fallout 3 ? Merde. Merci et bonne nuit. Ça ne s'arrange pas. Titre informatif, la semaine prochaine je travaille l'après-midi, du coup il y a peu de chances que je fasse des streams. Will avait utilisé le bâtiment pour dissimuler ses effets personnels. Mais qu'est-ce que tu fabriquais ici, frérot? Des expériences temporelles sur les rats? Tiens, tiens, qu'est-ce qu'on a là ? Peut-être à la prochaine, du coup. Vous avez trouvé quelque chose ? J'y travaille. Une clé aurait pas aidé. Bon, on n'a qu'à jeter un œil. Par ici. Ah, beau travail. Ce mot, il est adressé à... à moi ? 4 juillet 2010. Oui. Bess Wilder, cette vidéo est pour vous.
Vous m'aviez dit de m'éloigner de mon atelier, mais je ne pouvais pas la laisser là. Je suis allé la chercher, et l'endroit était complètement sans dessus-dessous. La contre-mesure, disparue. On l'a prise. Merde. Quoi ? Mais... Le coffre, vide. J'espère que c'est vous qui l'avez. Car si elle tombait entre de mauvaises mains, sa puissance dépasse l'entendement. Notre avenir, nos vies, en dépendent. J'ai pas pu avoir fait tout ça pour rien. Vous savez où me trouver. Je vous en prie, faites vite. 2010 ? C'est pas vrai. Parce que là, il est en 2016. Il a enregistré ça pour moi en 2010 ? Qu'est-ce que ça veut dire ? Et il a dit que la contre-mesure avait disparu ? J'aime pas ça. On doit découvrir ce qui s'est passé. Continuons de chercher. Aidez-moi à pousser ça. Jack, votre frère a dit que cette vidéo m'était destinée. Mais je l'ai jamais vue de ma vie. À l'écouter, on aurait dit qu'il pensait que vous aviez sa contre-mesure. J'aimerais bien. Mais il a dit qu'elle avait été volée le 4 juillet 2010. Quelqu'un l'a prise. J'espère que cet endroit nous aidera à découvrir qui. Je vous laisse l'honneur d'appuyer sur le bouton. C'est ça ? Ouais, je crois. Une deuxième machine. Ça change absolument tout. Bon. Si on arrive à faire fonctionner ce truc, on n'aura pas besoin de cette contre-mesure. On peut tout changer. Et si on pouvait faire en sorte que la fracture n'ait jamais lieu ? On peut revenir dans le passé, hier, et empêcher tout ça avant même que ça se produise. Personne ne meurt. Paul n'entre pas dans la machine, Monarque n'est jamais créé, la fracture n'a jamais lieu. Jack ! C'est ça. Attendez, on doit y réfléchir. Ce n'est pas comme ça. Je peux aller dans la machine, comme Paul l'a fait à l'université. Je l'ai aidé à faire. Ça dit qu'il faut réinitialiser le noyau de la machine. Super. Et il ressemble à quoi ? C'est le machin rond au centre, je crois. Hé, je peux réinitialiser le noyau à partir d'ici, on dirait. Vous êtes sûr de savoir ce que vous faites ? Pas du tout. Mais j'ai aidé Paul à programmer la machine à l'université. Ce qui a ensuite provoqué la fracture. Écoutez, Will savait que les calculs étaient erronés. J'espère que ça veut dire qu'il savait ce qu'il faisait ici. C'est ça que Will voulait qu'on trouve. On doit la tester. Le noyau, c'est ce qu'il faut activer en premier. C'est peut-être ça qui va nous permettre de trouver la contre-mesure. On va voir. Le processus n'est pas fini. Le noyau est réinitialisé. On doit l'activer depuis le poste de commande. Les commandes sont là, d'après le moniteur. J'espère qu'ils vont remettre ça correctement, parce qu'il y a franchement un nouveau système.
Il n'y a même pas. C'est parti. C'était quoi? C'est normal. Tout va bien. Tout va bien. Ça a marché. Ça a vraiment marché. Bon. Il est encore trop tôt pour ensuite, saisir la date. Le couloir. Ok, je pense que c'est pas normal que ça, ce c'était la dernière étape. Comme ça. Je dois d'abord régler la machine. Eh bien, bon numéro. Probablement la semaine prochaine. Ce sera le sûrement couloir. Le week-end, sauf si vraiment une fois en soirée, je me sens assez bien pour stream. En trou noir apparemment, Raven. Alléluia. J'imagine que c'est une référence à un autre truc, mais... Faire ça, c'est la clé de Will qui a fait ça? Ouais. Cette clé contrôle une machine à voyager dans le temps et il l'a laissée dans le coffre de sa voiture. C'est mon frère tout craché. Parce que genre quelqu'un en a deviné que cette clé ouvre... active... Rien qui puisse me servir. Espérons qu'elle fonctionne encore. N'a pas obligé, je le sens. Bien sûr. Eh bien, samedi, normalement, je serai là. Non, 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 non. Quoi? C'est pas vrai! Je sais pas! On y était presque. Je vais réessayer. Non mais attendez! Vous avez vu, la machine a un problème. On n'est pas sûr. Vous n'êtes pas formé pour ça. Si vous y touchez, vous allez l'endommager, c'est ça vous le savez. Impossible d'abandonner. Vous êtes en colère d'avoir perdu un proche, d'accord. Mais ça, c'est pas dans nos cordes. On peut rien pour la machine. Mais quelqu'un pourrait nous aider. Sophia Amaral. La chercheuse de Monarch. J'ai vu sa vidéo près de la zone zéro. Elle bosse sur les chronons de Sirène. Elle sera au gala de Monarch ce soir, mais la sécurité aussi, on ne pourra pas l'approcher. Sauf si j'ai une invitation. Paul m'a dit qu'on pourrait se retrouver à cette fête. C'est certainement pas une invitation amicale. Jack, non. Plus comment il avait expliqué, mais on va dire ça. Le futur m'apparaissait tellement limpide tout le temps. Je revivais le passé. Une fois revenu le jour où j'étais parti, tout ça a pris fin. Tout ce qui me permet d'avancer depuis, ce sont les plans, mais aussi les visions. Je savais que Jack viendrait me trouver. Je l'avais déjà vu. Mais je ne savais pas pourquoi exactement. Ou comment ça arriverait. Le voilà. Vous aviez raison. Mes visions du futur ne sont pas toujours très claires, mais elles ne mentent jamais. À propos de mensonges,
Joyce prétend avoir découvert la machine de son frère. Ça fait 17 ans qu'on la cherche et Jack l'aurait trouvée en moins d'une journée. Pas sûr du tout. Et pourtant, nous savons qu'elle n'est pas loin et nous ignorons ce que son frère a pu lui dire. S'il a vraiment trouvé la machine, pourquoi venir ici vous le dire ? Il essaie de vous manipuler. Peut-être, mais la machine est bien quelque part. Et il est dans notre intérêt de la trouver. Si Jack sait où, il faut que je lui parle. Le docteur Joyce aurait pu répondre à cette question. Le comportement de William et ce qu'il savait faisait de lui une menace. Vous pensez que ce jeune homme en colère sera plus coopératif que son frère ? Dans vos souvenirs, Jack est un ami. Mais cela ne doit pas influencer vos décisions. N'en faites pas une affaire personnelle. Ça ne l'est pas. Alors n'oubliez pas pourquoi nous sommes là ce soir. Après ce qui est arrivé, nous devons réaffirmer notre contrôle auprès de la population. Vous êtes le seul à pouvoir les convaincre. Je peux m'occuper de Joyce. Concentrez-vous sur votre discours. Je connais les enjeux, Martin. T'avises pas de broncher. Et te voilà. Je voulais voir le train de vie des malades et des traîtres de plus près. Et l'invitation était si gentiment envoyée. Que souhaitez-vous faire, Paul ? Je pouvais encore tenter de parler à Jack et de lui faire entendre raison, ou bien je pouvais laisser Hatch s'occuper de lui pour me concentrer sur la gestion de Monarch. Je suis allé dans le passé. J'ai essayé de changer les choses. J'ai une question pour toi, Paul. À une époque, Jack était la personne en qui j'avais le plus confiance. C'était ma seule chance de lui faire comprendre la vérité. Comment ça, personne n'a réussi à distinguer le tireur ? Mais si je n'étais pas là pour faire ce discours, mon empire commencerait à s'effondrer comme un château de cartes. Martin, j'ai bien peur que vous ne deviez faire ce discours à ma place. Très bien. Jack et moi avons des tas de choses à nous raconter. Ouais. J'ai vu ce qui nous attendait. J'étais présent lors de la fin du temps, et j'y ai survécu en retournant en 1999, là où tout a commencé. J'ai essayé de changer le cours des choses, mais en faisant ça, je n'ai fait que déclencher tous ces événements. Monarch s'y est déjà préparé. Il y a ce truc. Ça s'appelle le plan capsule temporelle. Et ça peut nous sauver, du moins certains d'entre nous. Vous représentez Monarch depuis tant d'années, Martin. Mais soyons clairs sur une chose. C'est moi qui dirige ce navire. Votre jugement est altéré. On devait avoir un sacré budget pour faire ça. Tu vas y aller ? Moi, aller à une fête ? On peut y aller ensemble. Qu'est-ce que vous voulez ? Je veux que vous témoigniez. Certains membres de notre groupe sont allés trop loin. La situation a dégénéré. Et toute cette violence, c'est à cause de Jack Joyce. On a perdu le contact avec le véhicule qui transporte Jack Joyce. Vous devez le retrouver. Recule ! Dépêche-toi ! Liam, ce n'est pas ce que tu penses. Non ! Non ! Il est parti ! Que tout le monde se lance à la poursuite de Liam Burke. Il est armé et dangereux.
Vu la zone où je peux afficher mon curseur, que vous ne voyez probablement pas, imagine que je vais faire un retour Windows, et je vais voir en message de plantage. Oh ! Quelle surprise ! J'aurais bien été chaud pour terminer le jeu ce soir, mais... pas le faire du tout. Putain. Désolé, mais je suis vraiment, vraiment claqué. La sécurité était renforcée au gala de Monarque. Vous preniez un gros risque en vous jetant dans la gueule du loup. Si nous voulions enlever le docteur Amaral, nous allions devoir le faire de l'intérieur. Bess Wilder, vous lui avez vite fait confiance? On partageait les mêmes intérêts. Et rien d'autre? Et ça suffisait. Enfin, je commençais à penser que je verrais plus jamais vos jolis yeux. Essayez de la fermer pendant que je m'assure qu'on est seul avant de commencer. Vous voulez pas me détacher? Arrêtez de geindre! Et vous allez avoir besoin de ça. Merci beaucoup. Pas de quoi. Et ça a l'air de quoi dehors? On range son flingue, il le prend instantanément. Je pense que vous êtes enfermé. Tout le monde se concentre sur la fête. Jusqu'ici, votre plan de dingue fonctionne. Et le docteur Amaral? Je l'ai pas encore vu. Elle est soit à la fête, soit dans son bureau au centre de recherche et développement qui se trouve ici, sur l'île. Je vais voir à la fête. Donc vous allez siroter du champagne pendant que je m'introduis dans un complexe sous haute surveillance. Vous avez tout prévu, on dirait. Je vous garderai une saucisse cocktail. Ah, dans ce cas, c'est bon. Ils finiront par me démasquer, mais ça devrait pas arriver tout de suite, alors vous pouvez sortir par devant avec moi. C'est le chemin le plus court vers le centre de recherche et développement. J'ai désactivé la sécurité de la porte de secours, mais il y aura des gardes. Contactez-moi quand vous y serez. Jack, vous savez ce qui est en jeu. Il n'est pas question de vengeance ici. Je ne suis pas là pour Paul. Salut Axe. Merde. Ça va laisser des marques, ça. Mes pouvoirs grandissaient. Et j'apprenais à les maîtriser petit à petit. C'était une sensation incroyable. Alors, vite de temps. Putain, mais qui a conçu ces portes? J'ai fini, Evil Within. Bon, je vais devoir être plus rapide pour les franchir. Ah merde, j'aurais dû.
Si je fais ça. Je le ferai dessus la prochaine fois. Énorme 3 millénaires. Hé, hey, Bess, j'y suis. Et maintenant? Vous aurez bientôt une tour radar devant vous. Dites-moi quand vous serez à l'intérieur. Ça marche. Mes pouvoirs n'avaient pas d'effet sur la tourelle. Ce dispositif semblait utiliser la technologie de chrono de Monarque. Vous auriez pu me prévenir pour ça, Bess. Bon, comment j'accède à cette tour radar? Et hop, comme neuf. Ça, c'est fait. Comment on va expliquer au public ce qui s'est passé au cale sèche? T'inquiète, il y a avec nos hommes là-bas. On peut raconter ce qu'on veut. Faire passer ça pour un accident. Ou bien. Tiens, direct! Faire quoi? Le temps paraissait altéré ici. Monarque avait construit par-dessus des fortifications de la Seconde Guerre mondiale. J'ai commencé à me demander pourquoi ils avaient choisi cette île. Objectif. Le réseau de tunnels existants reliait l'île au continent. C'était l'endroit rêvé pour construire un centre de recherche et développement top secret. Le canon ne semblait pas être figé dans le temps. La chronologie du vieux canon était désassemblée. Je pouvais la manipuler. Merci d'avoir pointé le canon par là, regarde. Ça va être chiant de sprinter maintenant. Ah. Ok, plus rapide la prochaine fois. Figé, oui, je sais. C'est un risque à prendre. Les soldats spécialisés de Monarque ont un équipement anti-interruption. Je parie que le docteur Amaral en aura un dans son bureau. Je regarderai pour voir si je peux vous en décoter un. J'ai contact ennemi. Il paraît que Sirène a rendu visite à Joel. Ouais, apparemment. Ils attendaient les fusils et lunettes. Ouais, c'est bizarre. Bienvenue chez Monarque. C'est enfin. Jack, j'ai désactivé la sécurité. Super. Encore une. De la tour radar. Merci, Bess. Hop. On va me rendre à la tour radar.
Bess? Je suis dans la tour radar. Où est le labo? Sous vos pieds. C'est une zone top secrète. Prenez l'ascenseur pour descendre. Waouh, sérieux? C'est un repère de super méchants ou quoi? Vous croyez pas si bien dire. Essayez de pas tomber dans la fosse à requins. Merde. Putain, quoi? J'espère qu'il n'y a plus de pouvoir après ça, parce que... putain. Pour débloquer des masses, je crois. Oui, c'est... Poros. Bonsoir. Vous ne vous attendiez pas à quelqu'un d'aussi charmant. Le discours est en direct. Donnons à un monarque le public qu'il mérite. Hé, Bess. Je descends dans les labos. Ok. Un petit vent de panique souffle sur la fête. Le bras droit de Seren est sur scène. Ça aurait dû être Seren lui-même. Parfait. Jack, le réseau de sécurité locale vient de s'activer. Sympa. C'est très très mal optimisé, mais c'est sympa. Il tient son flingue bizarrement. Il y a les balles qui passent à travers parce que t'es au bras. Bien.
Je sais pas s'il y a des cinématiques hyper longues, mais il y a des cinématiques. Je vais l'attendre. Sûr, si je passe par l'autre porte, ça va niquer. Activer tes pouvoirs. C'est ce que nous appelons un absorbeur de chronon. Warframe, ils appellent ça des nullifiers. Quand Paul est venu me voir dans cette cellule, il m'a dit que le temps était une boucle, qu'on ne pouvait pas arrêter la fracture. Quand j'ai vu cet endroit, je me suis demandé à quoi tout ça pouvait bien rimer, puisque le temps touchait à sa fin. Oh Mikey, s'il te plaît. Commence pas. Ah, je l'ai déjà fait. Je vois ça, ouais. Ah, ça remplace le pipi aux lunettes, tiens. Tour de merde. Why I don't like this? Où vais-je donc devoir lui tirer dessus? Je me le demande bien. Il a son fusil lunette comme si c'était un pistolet. Oh. Putain, c'est quoi ce... Ça va marcher. Beaucoup de mal avec ça.
a l'air de tromper sa maman. Hardcore. On a perdu la cible. Terminé. Même pas moyen de jouer avec. Naze. En fait, le bureau de Maral, c'est pas où. Eux qui vont te répondre, je pense. Tiens, tiens. Je peux peut-être sortir par là. J'imagine que c'est pas le chemin de la pauvreté. Le bureau du docteur Amaral doit plus être loin. Pas d'alarme. On dirait que personne ici n'est au courant du grabuge que j'ai fait en arrivant. Bien joué, Bess. Voilà le bureau d'Amaral. L'équipement que Bess voulait était censé se trouver dans le bureau du docteur Amaral. Je devais le récupérer avant de partir. Allez, couille! Non, peut-être pas. Chier. Oh, la première zone où je les aurais tous eu. Je vais récupérer, putain. Je voulais vraiment mettre sa gueule dedans. C'est fait. Des armes qui fonctionnent lors des interruptions. Paul voulait que les armes résistent après la fin du temps. Jusque là, même le petit pistolet de merde qu'il avait récupéré, bah, c'est un Glock, c'est pas un pistolet de merde, comment ça. Donc je n'ai très bien. Ça ressemble à ce que Bess voulait. Amaral est à la fête. L'interruption ne durera pas. Je dois trouver un moyen de sortir d'ici et de rejoindre la fête. Ah bon ? L'équipement que vous avez volé vaut une fortune. Passez-moi la facture. Je savais que la couverture de Bess ne tiendrait pas longtemps. Il fallait que je le lui apporte à la fête au plus vite. Et donc ici le temps est arrêté, mais ailleurs il n'y a pas de souci. Or. Le garage. Je dirais que j'ai trouvé ma sortie. On a vroom vroom. Ce que j'avais à faire, c'était traverser le garage. Ça paraissait plutôt simple. Ouais, au moment où, bien entendu, tout le monde se réveille. Ennemi en vue ! Ah !
Ah, belle. Cette alerte va pas arranger mes affaires. Je dois filer d'ici. Merde. L'alerte a certainement tout verrouillé. Je peux peut-être la désactiver. De raccordage. C'était moi une. Tout à fait ce qu'il me fallait. Mess, j'ai votre équipement. Mais le docteur Amaral est à la fête. Oui, je viens de l'avoir. Vous voulez être mon cavalier? Avec plaisir. Gardez-moi une saucisse cocktail, je vous rejoins. Il pense que c'est quelqu'un de Monarque qui a tiré sur Hatch. Ça peut nous faire gagner du temps, mais... Allez, QG, il est ici, terminé. Bess, j'ai de la compagnie. QG, c'est ici, terminé. Super. Raccord nul. C'est le dernier. Bonsoir, Riverport, c'est encore Teresa. J'ai avec moi un bagel bien frais, une grande tasse de café et des auditeurs formidables. Donnez-moi la position exacte de Joyce immédiatement. Numéro 1 Monarque va l'intercepter. Ici Homeguard 5, je viens de le voir entrer dans le réseau de tunnels situé derrière le parterre. Bess ? Je suis en route. Il vient de liquider toute mon escouade. Envoyez tout de suite des renforts. Encore. Tiens, tiens, qu'est-ce qu'on a là ? Je voyais le manoir où le gala avait lieu. Je devais trouver un moyen de m'y rendre. Je voyais le champ d'énergie d'un autre absorbeur de chronon de Monarque. Il neutraliserait mes pouvoirs. Je devais trouver un moyen de le désactiver. Mes pouvoirs seront sans effet dans cette zone. C'est pas le moment de s'endormir. Ils mettent le paquet sur la sécurité. Il va peut-être éteindre cette machine.
Vous vous rendiez à la fête. Quel était votre plan ? Il fallait que j'intercepte le docteur Amaral avant la fin de l'interruption et avant que Monarque me repère. Un petit peu chaud de passer juste devant alors que elle est réavancée. Bess doit être quelque part par là. Je dois la trouver avant la fin de l'interruption. Un traître a tiré des coups de feu pendant le discours de Monsieur Hatch. J'imagine que c'était Bess Wilder. On sait tous les deux que c'est faux. Hatch voulait ébranler Monarque. Et le meilleur moyen de ne pas éveiller les soupçons, c'est de faire croire qu'on est la cible. Tire. Il veut la déshabiller. C'était quoi ça ? Du calme, Bess. Hey. Ça va. C'est moi. Bon sang. Regardez ça. J'espère que ça vous plaît. Ces gens n'ont aucune idée que j'ai détruit la moitié du parc d'attractions de Paul. Ouais, mais Monarque le sait. C'est sûr que ma couverture ne va pas faire mon feu. Ouais, je pense pas qu'elle sera utile pour la suite de toute façon. Avec ton dispositif sur le dos, c'est sûr que t'es le docteur Amaral est quelque part dans le manoir. Trouvons-la. Avec un peu de chance, on aura filé avant qu'il me repère. Ok, je vous suis. Putain, ils ont vraiment, mais vraiment, vraiment peur qu'on ait pas assez de points. Pour une source de chrono avant le prochain point d'amélioration. Hein ? Ok, il y a des niveaux... Ok. Qu'est-ce qu'on fera une fois qu'on l'aura trouvé ? Il y a un ponton d'amarrage à l'extérieur du manoir. D'accord, ça peut marcher. Oh merde ! Ce drone ! Il est au mauvais endroit, au mauvais moment, littéralement. Jack, le docteur Amaral est là-dedans. On doit la faire sortir avant que le temps reprenne son cours. Et voilà. Je sais pas. Temporel. Faire une de plus. Je sais pas si la portée en fait affiche les améliorations plus loin.
Bon, si. Mieux vaut qu'on se dépêche de retrouver le docteur Amaral. Jack, faites-la avancer avant que le temps reprenne son cours et qu'on finisse en passoire. Allons-y, docteur. Qu'est-ce qui se passe? Est-ce que... Oh non! C'est pas vrai! C'est en train de se produire! Vous! Vous êtes Jack Joyce! Vous êtes là pour me tuer! Non! Mais vous venez avec nous, on a besoin de vous! Non! Vous n'avez pas le choix! C'est ça ou l'hélicoptère, hein, connasse! L'hélicoptère. Il est où ce putain de bateau? Juste là. Allez-y. Faites la montée à bord, je tiens. Venez, docteur. Vous finirez pas de payer. Dépêchez-vous. C'est Josh. Il a réussi à nous échapper. Ne les laissez pas s'échapper. Prévenez vite, monsieur CN. Jack, ferme la barrière. On sera coincés si vous ne l'ouvrez pas pour nous. On m'en occupe. Dès que vous pouvez, d'accord? Il y a autant d'explosifs ici. Ouvrir cette... Et vous? Vous pouvez y aller. Je peux revenir vite. Pour vous aider à... Non, non, allez-y. On s'est donné tous mal pour elle. Bess, faites en sorte qu'il lui arrive rien. Je trouverai un moyen de sortir. Mon plan était simple. Un pont reliait l'île au continent. J'avais l'intention de repousser tous les obstacles que Monarque mettrait en travers de mon chemin et de voler une voiture afin de retourner à la piscine. N'oubliez pas qu'on a besoin de vous vivants pour la prochaine étape. On verra bien ce qui se passe.
Maintenant que Bess et le docteur Amaral étaient partis, il était temps que je mette les voiles. Et pour ça, il me fallait une caisse. On va chercher l'un en bout de l'autre. Les voituriers, le cer... De l'acte 3 et du stream. Je vais aller comater. Et je vous laisse pour ce soir. Avec un peu de chance, je ferai un petit stream dans le courant de la semaine. Je n'en suis pas sûr. Ne me prenez pas au mot là-dessus. Mais j'essaierai au moins d'avancer dans les vidéos de Stalker, histoire de passer à autre chose. Donc voilà, j'espère que ça vous a plu, même si ce stream fut un peu plus court que je ne l'avais prévu. Et on se retrouve prochainement, si jamais je fais un stream dans le courant de la semaine, j'essaierai de vous prévenir sur Facebook. Sur ce, passez une bonne soirée, une bonne nuit, merci Mikey, et à la prochaine.